On vous parle à présent d'une femme hors norme. Elle a multiplié les titres de culturisme durant sa carrière. Elle s'appelle Maryse Magnos. Elle compte plusieurs milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Elle vit à La Ciotat. C'est là qu'elle s'entraîne avec une rigueur de maître. Reportage signé Justine Cazot. Sac sur le dos, elle pousse la porte de la salle de sport. Bonjour. À 61 ans, Maryse Magnos s'entraîne avec une rigueur presque militaire. La posture est très importante dans les exercices. Il ne faut pas se tenir comme ça ou comme ça, vous voyez, faut bien... c'est bien spécifique. Pour entretenir son physique impressionnant, l'ancienne athlète s'exerce près de 6 fois par semaine. Un rythme de vie qui lui demande de faire attention à son alimentation. Je mange toujours mon poulet, ma viande rouge, mes œufs, mon poisson, mes patates douces, mes flocons d'avoine. Mais à côté, je mange des bonbons aussi, je mange des gâteaux, mais pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après plus de 17 ans de concours en catégorie femmes musclées, Maryse a remporté presque tous les titres, championne de France, d'Europe et même du monde, un parcours dont elle est fière et qui donne du sens à sa vie. Moi, quand je vais mourir, je suis une légende dans le sport. Je vais dire, j'aurais laissé une trace, bien ou pas bien, mais c'est pas grave. C'est important pour moi. Voilà, j'ai fait ce que je voulais. Depuis 4 ans, Maryse a arrêté la compétition mais poursuit désormais la musculation comme hobby. Elle continue cependant de se rendre aux événements de culturisme comme le Body Show à La Ciotat.